Eh bien bonjour tout le monde, c'est Plaisard et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Plaisartic. Alors je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode, mais en tout cas aujourd'hui on est parti et donc je vais vous expliquer dans ce tutoriel comment supprimer n'importe quel type de virus en moins de 5 minutes. Alors en résumé, ce tutoriel va être divisé en deux parties, deux astuces différentes qui vont vous permettre de supprimer mais vraiment n'importe quel type de virus. Alors la première ce sera un logiciel et la deuxième ce sera en utilisant on va dire l'invite de commande et en restaurant le système. Ce qu'il faut savoir, c'est que la deuxième astuce, si des informaticiens, enfin des gens qui s'y connaissent en informatique un petit peu regardent cette vidéo, ils vont tout de suite comprendre que ça ne supprime pas réellement le virus, mais on va dire que ça l'empêche de fonctionner, on va dire qu'il ne fonctionne plus, il est inactif, il est caché dans votre ordinateur, mais il ne fonctionne plus. Donc pour moi, c'est vraiment, enfin, c'est pas la meilleure solution, c'est sûr. Appeler un informaticien pour qu'il vous supprime le virus serait une solution bien meilleure. Et le seul bémol de ça, c'est qu'il faut, il faut payer l'informaticien, et ça, c'est pas donné. Et en tout cas, pour le moment, l'astuce que je vais vous proposer est un petit peu la seule qui va vous permettre de supprimer vraiment n'importe quel type de virus sur votre ordinateur par vous-même quand vous avez un problème. Alors moi, je l'ai utilisé couramment, en tout cas, et j'ai jamais eu de soucis après avoir utilisé, en tout cas, et en tout cas, voilà. Donc on va commencer tout de suite par la première astuce que je vais vous proposer. C'est Adware Cleaner, en fait. C'est AW Cleaner, ça s'écrit. Et c'est un petit logiciel qui a été créé non pas par une personne... Par une personne, je veux dire, qui travaille dans les antivirus ou autre chose. C'est un logiciel qui a été créé, mais par quelqu'un qui travaillait vraiment pas dans ce domaine. Et en tout cas, c'est un logiciel qui sert beaucoup plus que tout ce qu'on peut trouver comme logiciel sur le marché, qui permet de supprimer les adware, les trucs comme ça. En tout cas, pour aller télécharger, vous allez taper dans la barre d'adresse http://bit.ly/ AW Cleaner, comme je l'ai écrit là. Vous tapez entrée, vous allez accéder au site 01.net qui va vous permettre de télécharger ce logiciel. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Une fois celui-ci donc téléchargé, il va vous permettre donc de supprimer les adware, les toolbars. Les toolbars, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les barres qui vous font chier. Vous savez, quand vous installez un logiciel et vous y connaissez pas trop, vous laissez tout cocher. Et vous vous retrouvez avec votre Firefox ou votre Google Chrome, etc. Qui a des barres d'outils de partout et vous n'arrivez pas à les supprimer. Ensuite, ce logiciel va vous servir à supprimer ça très facilement. Il vous servira aussi à supprimer les programmes potentiellement indésirables et les hijackers. C'est vraiment un outil vraiment très pratique, comme il est écrit dans la description. Il est vraiment, en un clic, vous allez vraiment supprimer tout ce qui touche à ce que je viens de dire juste avant. Et même si vous pensez ne pas avoir de trucs de ce genre, je vous conseille de le lancer et de l'installer tout de suite. Parce qu'il supprime vraiment des choses que vous ne soupçonnez pas, comme des clés de registre, etc. Je sens que je vais mourir. En tout cas, une fois qu'on l'a lancé, on se retrouve avec ce panneau-là. Il n'y a pas besoin d'installer. Vous faites une recherche. Et là, il va nous trouver tout ce qui n'est pas normal sur notre ordinateur. Toutes les entrées illégitimes de notre ordinateur, que ce soit les fichiers, les registres, dans le navigateur, ou etc. Donc, une fois qu'il a fait ça, ce que je vous conseille donc, c'est de quitter ça et de lancer la suppression. Sauf que nous n'allons pas le faire parce qu'en fait, il faut tout fermer et redémarrer l'ordinateur. Mais en tout cas, en moins de 5 minutes, vous pouvez supprimer quasiment tout ce qui touche à l'intérieur de votre ordinateur, que ce soit adware, toolbar, etc. Donc, une fois ceci c'est fait, vous allez me dire, mais en tout cas, pour les virus, tu n'as pas encore proposé de solution. Et nous allons y passer tout de suite. Alors l'astuce que je vais vous proposer tout de suite, c'est comme je vous l'ai dit, une astuce qui va utiliser l'invite de commande, on va dire, et qui va, en fait, on va lancer en résumé,
quand vous avez un virus qui est assez imposant. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que AdWord Cleaner vous permet aussi de supprimer des très très, on va appeler ça des virus, de très très gros virus, tels que le virus de la gendarmerie, qui est assez connu quand même. Je pense que vous le connaissez, c'est quand vous avez un gros panneau qui vous empêche d'accéder à toutes les applications sur votre ordinateur. Et il permet de le supprimer. En tout cas, bon, si ça n'a pas marché, donc on va passer au truc pour supprimer les virus. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va... En fait, on va utiliser la restauration du système. Comme vous le savez, quand vous avez un très très gros virus, vous ne pouvez pas accéder à la restauration du système, que ce soit en allant dans Windows ou etc. Pour la simple et bonne raison que le virus vous empêche de lancer n'importe quel logiciel ou de lancer même votre ordinateur et d'accéder à votre session. Alors, je me suis dit, j'ai trouvé cette solution moi-même, mais je me suis dit en fait, si on ne peut pas accéder à l'ordinateur, pourquoi pas la restauration, parce que c'est la méthode la plus pratique pour supprimer un virus, ou lorsque vous avez fait une erreur sur votre ordinateur, pourquoi pas le faire avant le lancement de l'ordinateur. Et ce, grâce à l'invite de commande en mode sans échec. Alors l'invite de commande en mode sans échec se fait, on va dire, avant le boot de l'ordinateur, on va résumer ça plus simplement. C'est lorsque vous lancez votre ordinateur, vous avez un panneau noir qui charge Windows. Et là, si vous avez déjà dû faire l'expérience, si vous appuyez maintes et maintes fois sur la touche F8 de votre clavier, ça dépend pour certains ordinateurs, c'est une autre touche. Mais en tout cas, ça reste le même écran qui apparaît. Alors en fait, cet écran vous permet d'accéder à l'invite de commande en mode sans échec, vous permet d'accéder à l'ordinateur en mode sans échec, et aussi d'autres options. Alors nous, ce qu'on va utiliser, c'est l'invite de commande en mode sans échec. Alors, je vais pas vous le montrer tout de suite, mais en tout cas, donc il faut appuyer sur F8, F9, une de ces touches de votre ordinateur à répétition lorsque vous appuyez sur le bouton démarrage, et vous allez accéder à ce menu. Et pour vous déplacer dans ce menu, vous utilisez des flèches de haut et de bas. Une fois ceci fait, vous allez donc accéder au panneau d'invite de commande en mode sans échec, on va dire ça comme ça, et on va lancer en fait la restauration. Vous allez me dire, donc en résumé, vous allez obtenir un panneau comme celui-là. Bon, moi j'ai lancé CMD, c'est la même chose, c'est l'invite de commande sous Windows. En tout cas, vous allez obtenir un panneau comme celui-là, et vous allez me dire, mais comment on peut lancer la restauration du système grâce à un panneau comme celui-là? Alors ce panneau vous permet vraiment d'effectuer beaucoup beaucoup de tâches sur votre ordinateur. Vous pouvez observer les dossiers, vous pouvez éteindre un ordinateur, vous pouvez éteindre les ordinateurs du réseau. En tout cas, nous, on va l'utiliser juste pour lancer la restauration du système. Alors pour ce faire, vous allez taper dans l'invite de commande rstrui.exe, comme ceci. Vous allez taper entrée. Et là, la restauration du système va se lancer. Et vous allez donc pouvoir restaurer votre ordinateur à une heure antérieure ou un jour antérieur. Donc, vous allez restaurer votre ordinateur à un jour antérieur. Et puis, une fois ceci fait, votre virus aura disparu. En tout cas, notre tutoriel arrive donc à sa fin. Vous aurez appris comment supprimer ou limiter les dégâts de vos virus. Et ce, en moins de 5 minutes, top chrono. J'espère donc que ce tutoriel vous aura plu. J'aimerais bien vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors abonnez-vous, n'hésitez pas à aimer, commenter, à me demander d'autres tutoriels, je n'hésiterai pas à les faire. Et puis qu'est-ce que je peux vous souhaiter, une bonne semaine, et puis à la prochaine.